So our journey continues onto the continent, where we've come to Normandy to meet Perrine and Charles Harvey Grewer, who run La Farm Biologique du Bec Halloween, a highly productive and incredibly beautiful permaculture-inspired farm. So we're here at La Ferme du Bec Halloween in Haute Normandie, in France, Western France. And we started this farm 5 years ago. When I say we, it means my husband, Charles, and myself. But 9 years ago, we moved in a little house here on this land. And our dream was just to be self-sufficient. So we first started to grow vegetables for the family. We had a little garden. And step by step, Charles kept on telling me, oh, I love doing this. I love growing vegetables. I really love it. He used to be a sailor before. So I think he had the same passion for the soil, for the earth than he had for the sea. I said, okay, go ahead. I was not that much into it. I was okay with feeding my babies with very good food, you know, organic food, obviously, that we grew ourselves. I was doing a little bit of everything by myself. All the cleaning products in the house, all my cosmetics. And so it was really a dream to be self-sufficient. But then he wanted to go a little bit ahead. And so I said, okay, go ahead. I'll do something else. I'll give you hints from time to time. And then you know how it comes. When you give one finger, it ends up with the full arm. So I got involved entirely in this adventure. We started to be real farmers. In France, you have to register to be an agriculture, a farmer. So we had this piece of land. We wanted to grow vegetables, obviously. We wanted to be organic. That was for sure. We already had a horse, so we worked the soil with the horse. But that's it. That's all we knew. And then, 2008, we read an article that a friend of us sent us by an email. And we found out about permaculture, and it was like, wow, this is what we've been looking for forever, even before. I mean, it seemed like everything in our lives, all the pieces of the puzzles would come into each other, you know, the puzzle was the full, and it just made sense. That was it. We found out after one full season, 1 year, one summer plus one winter, that it was extremely, extremely efficient, highly productive. So we were very, very happy about that. It was not all about techniques or things we shall do, even though we immediately started to do things. But I don't know how to say that, but everything made sense. You know, the philosophy of life and the philosophy of the Indians, because Charles, my husband, used to live with the Indians in French Guiana. So everything started to assemble. The global design had been made without knowing about permaculture. We started to work on those interconnection, on those borders. And we found out that indeed, all the borders are very, very productive, highly efficient when it comes to having some bees coming in, having some frogs, snakes to eat the slugs or the mouses or whatever. So we found it very efficient to have several microclimates, several ecosystems close to each other, interrelated. The farm itself is 16 hectares, not acres, hectares. Here we grow vegetables on only 4,500 square meters, approximately 1 acre. But we also do vinegar, apple cider, apple juice. We used to bake the bread, but we've stopped. It was too much. But we also sell, for example, jams when we have too much fruits, dried fruits, dried tomatoes,
On this very small piece of land, we have several microclimates because several ecosystems, different environments, and we found that very, very efficient and surprising to see the differences between one ecosystem and another. So when we first started, it was just Charles, my husband, and myself. Last September, we hired one person and another one last November. So now it's the four of us. It's a lot of work still, since there was no proper design, as I said at first. So we still have to fix a few things, and even a design is always evolutive. So we always have to spend time on things we didn't have to spend time on, like mulching, proper mulching. We had a huge slug problem, for instance, so we have to find the right way to avoid slugs. All the information related to our method called Terra Vitae, because here on the farm, not only we use the permaculture principles, but also we were pretty much inspired by John Jevons, the American John Jevons, and Elliot Coleman, I talked about earlier. So we kind of mix up all those techniques. We are right now in the middle of an experiment with the INRA, which is the French National Institute for Research in Agriculture. The goal is to get to know if on 1,000 square meters, so 1/4 of an acre, one person can get a decent living out of that. And I was very surprised because they are also very interested in not only the economic data, but also they wanted to know how many hours we would work. That has to be also viable for a human being. How you work, do you have back pain, or how do you feel about your work? Are you happy with your work, you know? And it's also about being part of the community. How do you interact with the community here, the village, with the people who come to see you? So I found it very interesting because at first I thought it was only just, you know, data. So what we do with them is that we write every single thing that comes in, out. Every single person who works on this piece of land that we have isolated on the farm has to write down every single hours or even minute they work on it. At the end of this year, they're gonna get all those data. So they want to know if we could create a job on 1,000 square meter. We think it is for sure economically viable, and they do believe it also, because we didn't come out with the 1,000 square meter. It comes from the French vegetable growers in Paris in the 17th century. Of course, you had horses all over the place, so you had easy matter easy organic matter. And, of course, you wouldn't pay, I guess, a person the same salary than you would do it today, but at that time, they were able to work one man for 1,000 square meter. When you see how agriculture is in France nowadays, it's a revolution, because at the moment it's one man for maybe 200 hectares. Not only is this farm highly productive and very beautiful, they're also producing really valuable research data that's affecting agricultural policy. Preen goes on to tell us about the level of production they've been able to maintain here. And we were able to produce for over than a year, a little more than 1,000 baskets per week. And now we still have two groups of those basket schemes, one here, one in Rouen, that is 40 minutes drive away. And we are going to deliver one restaurant here in the village, one restaurant in the town nearby, one high school specialize in technical teaching, you know, technical for teaching for cooks, future cooks. So they have a restaurant where the students can practice and the people can come. So we're going to deliver the vegetables for this restaurant. And we are going to deliver three restaurants in Paris also, and some organic shops here around. So we kind of tend to diversify the way we market the products. Not necessarily profitability, but mostly resilience, because the basket scheme thing is excellent, but
you always have to adapt to the fact that the consumer is not used yet or reused to the fact that you cannot grow in France, at least in Normandy, you cannot grow courgette in February. We wanted to make sure that, well, we can deliver to them, but also to other people. The restaurants, they ask us to produce specific vegetables, especially for them. And I have to say, I'm pretty happy to diversify and find people who appreciate different type of vegetables and not only carrots, potatoes and leeks, for instance. I think there should be a real relationship between the producer and the consumer, whoever it is. The consumer may be the people from the restaurants. But I think that's one of the key of agriculture, because people don't know anymore who produced their food. We have more than 150 different types of herbs. I guess we have 200 different types of vegetables, a little more than 100 species of different fruits. I guess in 10 years' time, we're going to have a pretty amazing ecosystem here. We're super inspired by Le Bec Helloen, and traveling on by simple means, we move forward to Belgium, where Frank Roemen's incredible farm has turned into a community practicing a very abundant form of free economy. What I would like to share with you is bringing people back to common sense, teaching them also day rhythm, crafts, order, and all these things. We try to produce as much food as possible. You will see that not much space is left. Mm-hmm. You will see also there's lots of materials. We are going through place. People bring stuff and we give it to people. And we are convinced that abundance and generosity will tide us over the difficult moments that the banks are creating for us now. Inclusiveness is really the basic drive of this community. We want to include people in our lives, and we like people to include them, us, in their lives. Giveaway shop. Good. So people can come in and just take what they want. And that's, yeah, there's nothing more to it. And here's the stuff where we, these are our treasury, where we find stuff that we can use, boxes and bicycles and wheels and electricity and plumbing and iron to build things with and wood to build things with and insulation and stuff to make preserves with. We are very heavily into preserving things also. All of this is gotten for free. Bruce Lipton has a theory about nature being ordered around on the principle of mutual exchange. And he says that in a cell, when a cell exchanges something with another cell, it usually goes 150 times around other transactions and then only comes back, but multiplied by 150, to the original cell. So this is the scientific basic for abundance, for generosity, against all this madness about competition and rat fighting, or whatever the name is. This is a really lazy garden. It hasn't been turned since 25 years. It hasn't been fertilized for 25 years. I've cut the place now because it was really infested with too much celery. And so we started again, but we didn't do anything. It just came back. We multiplied the onions a little bit and we multiplied some of the chard. But that's it. And now the rest comes back spontaneously. Or we do things like we seed five, six salads together. Maybe that's one you have to get from closer. We seed spinach and salads together with onion. Mm. And then, yeah, eventually comes out. And what we eat, we eat. And what we don't eat goes to seed. Mm. And so the seeds fall. And then after a few years, the only thing that comes up when you let it germinate are edible things. The caravan is for people to live in. I always include a few alleys of 3-4 meters wide where they have the fruit trees and the berries and everything, and then this kind of cover for the chickens, and then chase the chickens underneath the fruit trees
And so this way you harvest the fruit and the chickens clean you up for you and no more work for it. Good. So this is our version of the forest garden. It's a conversion of a wild thing, because when we were away for a few years, all these trees grew, and nettles and everything, through the nylon, through everything. And so we fought what we didn't want, and we kept the ones that we liked, so the white ones, the birches. And we added nut trees and fruit trees. And we also added the strawberry plants now and the berries. But it gives 3 to 5 harvests a year of all kinds of vegetables. Now it's onions and spinach. And we're planting salads and chard, 2 kinds of chard. And then after the onions will come the late beans. And then after the late beans will come the, what do you call that one? Corn salad in English. And so it will keep on growing, and at the same time the strawberries will keep on giving, because the strawberries are a special variety that we have made that gives from May to end of November, non-stop. It's very nice, very big strawberries. So. If I go to my ex-colleague, in the wholesale business, organic, well, I get lots of stuff for free that they normally have problems getting rid of because they have to pay for it. And so, yeah, we get it, and yeah, we give it to other people and we use it. And yeah, you see, as you see, the shelves are full, and yeah. And then lots of stuff from the garden also has to be canned and preserved. And this is what we have the freezers for. It's, again, it's like the other things, it's all in a chain, all going around, all networking. We get lots of alternative, cosmetics. And we give them to women and to women with babies and everything. And yeah, it's an unending chain. In a sense, of course, it cannot go on forever, because the wastefulness of this society, this economy is absurd, totally absurd, it cannot go on. But on the other hand, it would be stupid to let it go to places where they crush it and destroy it, or make gas out of it, as you say. I would think that's a waste. And here we can recycle it. One of the things that is also very special is that people have to put dates on everything now, like olive oil. We got a few hundred liters of olive oil here, and olive oil stays good for 2,500 years. It's good to think. Olive oil good till the 30th of November of 2010. But we fish boats out of the Mediterranean that have been sunken for 2,500 years now. And we take the olive oil out, we unstop the amphora, and we, oh yeah, what a nice smell it has still. Amazing. But it's that it's not passed through the European commercial. Mm-hmm. You go to as big the place as big as possible. The producer is better than the wholesaler. The wholesaler is better than the shop. Yeah. But all levels are good. Yeah. So wherever you go, you say, look, I see that you are that your olive oil is out of date. What are you going to do with it? Can I help you? And they will say, oh yeah, we think we can still sell it. And you, okay, keep it. It's okay, no problem. And you come back half a year later. You say, did you eventually sell the olive oil? Say, no, it's still on our hands. I'll take it off your hands. Deal done. How much do you reckon it costs to run this place, and like on the scheme of growing things and like having all this food you can get for free and skipping it's ridiculous through? Totally ridiculous. It's a few tens of euros for electricity and a few tens of euros for gas. Toilet paper, that's what we have to buy also. What else do we buy? Rice, lentils. Cereals up till now, but as you will see on the other field, we are now growing our own cereals also. So eventually that will phase out also. And that's about it, I think. What I'm amazed about is how much food that they've got. Today they've just picked up a skip load, 40 kilos of asparagus. This is all organic, it's not from skips and
chocolate muffins that are processed. This is organic produce that's still totally good to eat. There's some cauliflower here. It's perfectly fine. There's nothing wrong with that at all. And they've got about 60 kilos of tomatoes, some of which are squashed, but still fine. There's about 20 or 30 sacks of red onions that are totally fine. There's about 60 kilos of broccoli that's, you know, totally fine. There's nothing wrong with that at all. There's 30 crates of potatoes. There's bananas that are just ready to eat. And this is just from one day at a wholesale market, and it's free food and more than they can eat. And this goes on every single week. It really highlights the power to us of cultivating relationships. And here it's the greatest example we've ever seen of really working the free economy. Packed up with olive oil and fresh fruit and vegetables, we're headed off to Luxembourg to pick up our dear friend Marco, to head down to Vezenobles in the south of France, where we're going to meet up with Dennis Flores, who's got the oldest established agroforestry site in France. Agriculteur bio. Je suis arrivé ici en 2010 sur ces parcelles en agroforesterie qui étaient plantées depuis 1996 pour les premières plantations et en culture pendant 3 ans. Et c'était à l'abandon à l'élagage pendant 5 ans. Donc on pourra regarder un peu ce qu'on n'a pas fini d'élaguer pour se rendre compte de ce que c'était. Et en fait, c'était à la vente depuis très longtemps et personne n'en voulait parce que l'agriculture en France en général et l'agriculture ici. C'est des parcelles propres, comme ils appellent, c'est-à-dire sans arbres, sans rien, sans haies, sans... Donc ça faisait un peu peur aux agriculteurs, ce qui m'a permis d'acquérir ces parcelles. Et donc on s'est installé ici avec ma femme et on a décidé de faire notre agriculture, de faire du maraîchage et de faire ce qu'on savait faire jusqu'à maintenant, du blé, des tournesols, tout ça, pour les transformer ici au milieu des arbres. Alors, on a été obligé de faire une coupe de peupliers, derrière, là, voilà, coupe de peupliers. Parce qu'ils étaient arrivés à maturité. Et donc on va finir de nettoyer et après on va replanter de nouveau des peupliers et peut-être un mélange aussi d'autres essences. Mm-hmm. Voilà, donc ça c'est à définir encore avec le cabinet Agrouf et l'INRA qui fait partie du projet puisqu'ils suivent les plantations depuis le début. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est une solution intéressante parce que déjà d'une part on est sur une zone inondable. Mm-hmm. Donc les arbres, le fait de la présence des arbres, ça va réguler les inondations, en tout cas la montée soudaine des eaux. Donc ça va freiner en fait les eaux, ça va peigner les embâcles, toutes les branches, tout ce qui est charrié par la rivière en temps de crue. Et donc mine de rien, ça préserve le sol, quoi. Mm-hmm. Parce qu'une terre qui est nue, ben, elle va être... il va y avoir beaucoup d'érosion, oui. Et donc on va perdre beaucoup de sol. Alors qu'ici, justement, du fait qu'il y a des arbres, il y a beaucoup d'herbes partout, ça tient le sol. Donc déjà, ça va freiner aussi les limons, donc on va avoir au contraire une couche supplémentaire de limons, donc une terre nouvelle, enrichie, quoi. Et ça, c'est pour l'aspect écologique, on va dire, la préservation des sols. En plus, on a beaucoup d'oiseaux différents qui nichent dans les arbres. On a du loriot, du verdier, du pivert, on a des rossignols, des fauvettes, des chardonnerets, des mésanges, enfin beaucoup, une variété très diverse. Et l'autre aspect, et là c'est pas les moindres quand même, c'est pour la culture, pour les personnes qui travaillent sous les arbres. Et quand on fait du maraîchage à l'ombre des arbres, c'est quand même vachement plus agréable que de travailler en plein soleil. Quoi. Voilà. Donc ça c'est aussi un aspect qui n'est pas négligeable. Et après, il y a aussi l'aspect bois, parce qu'en fait, on est à la fois agriculteur et à la fois bûcheron. Enfin, à la fois forestier, on va dire. Donc, ces arbres, eh ben, on en tient une ressource. Donc, nous, l'élagage, on s'en sert, on broie les branches
et on s'en sert de paillage. Alors c'est pas vraiment un BRF parce que c'est un broyeur à copeaux. Là, il fait des copeaux fins, ça se désagrège moins vite, mais ça fonctionne aussi. Donc on est en train de faire des essais justement pour ça. Et parce que bon, comme je vous ai dit, ça fait pas longtemps qu'on est là, hein, c'est la deuxième saison qu'on attaque, donc on n'a pas encore assez de recul, mais ça va venir. Et on essaie beaucoup de choses, on a essayé aussi du champignon, donc on a mis en place sur les peupliers qu'on a coupés là, du shiitake et du pleurote. Voilà. Et on va mettre aussi des arbres fruitiers, on va essayer aussi des plantes aromatiques racines, bardane, réglisse, guimauve et un peu de pissenlit aussi pour la racine. Ouais. Voilà. Et voilà, après au-delà de ça, ben, toute une variété de produits, que ce soit en légumes ou en fruits, pour justement avoir une diversité vraiment la plus fournie possible, ouais, et la plus variée. Ouais, ouais, ouais. Ils ont été obligés de maintenir une densité quand même entre le forestier et ce qu'eux prétendaient être de l'agroforesterie, qui n'était pas reconnu. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que les densités ont été quand même assez fortes. Uh-huh. Et comme par exemple ici, ce qu'on voit là, et même sur les noyers, là-bas, on est planté à 10 mètres sur l'interligne. Mmh. Et sur les mélanges, on est planté à 5 mètres sur la ligne, entre les arbres, et à 10 mètres sur les noyers, par contre. Mais ça reste quand même assez dense, et même un peu trop dense pour faire par exemple du blé ou du tournesol. Et en plus, il faut avoir le matériel adéquat pour pouvoir semer du blé et récolter le blé à 10 mètres. Des machines qui rentrent. Voilà. Voilà. Donc ça a posé la problématique. C'est pour ça que sur les peupliers qui au départ avaient été plantés avec des lignes de 16 mètres, ils ont fait un essai il y a 2 ans, ils ont coupé une ligne sur deux. Et donc moi quand j'ai acheté, j'avais des lignes de 32 mètres. Voilà. Puisque la ligne intermédiaire avait été supprimée. Bon, il y avait la souche, mais bon, j'ai quand même. Le puits de lumière était là. Quoi. Ouais. Voilà, donc j'avais des espaces 32 mètres. Et là, ça a permis d'avoir un blé tout à fait correct. Ouais. Voilà. Par contre, sur les plantations de feuillus qu'on voit derrière nous, là, et sur les noyers, là j'ai décidé de faire surtout du maraîchage. Ouais. Parce que bon, comme c'est quand même très serré, très étroit, je pense que le maraîchage, c'est ce qui se prêtera le mieux. Ouais. Mais j'ai quand même l'intention de faire des essais avec soit du pois protéagineux ou des févroles ou des choses comme ça. Ouais. La lisier est orbinale. Ouais. Après on a du cormier, là-bas il y a un cormier, il y a un cormier là-bas derrière. Alors celle-là, je vais pas la toucher. À la limite, je vais passer couper juste le bout des branches pour pouvoir passer avec un tracteur. Ouais. Mais c'est tout. Après, je vais laisser aussi un peu de coin de repos pour les animaux. Essayer de les faire un peu sauvages. Et après, on va passer une rotobêche pour aérer le sol et enlever, parce qu'on a beaucoup de sorgho d'Alep, c'est des plantes à rhizome, et ça se multiplie. Là, on en voit beaucoup là, qui a repoussé. Là. Quelle est la stratégie pour, La stratégie, c'est. A priori, pour sorgho d'Alep, c'est labour. Beaucoup de sorgho d'Alep l'an dernier. C'est la deuxième année qu'on les travaille. Et cette année, il y en a déjà beaucoup moins. Ouais. Donc voilà. Après, la rotation de culture aussi fait que. Ouais. Derrière nous. Là. Donc cette clairière, en fait, avant, il y avait des lignes d'arbres pareilles. Mais a priori, le sous-sol, il y a beaucoup de galets. Beaucoup de pierres et il est très pauvre le sous-sol, la couche de terre est très faible. Ici, ça a été. Donc c'était dans le même état que là-bas, c'était dans le même état que ce qu'on a vu juste avant. Là. Et élagué en février 2011, ça a été cultivé, donc comme je t'ai expliqué, broyé, puis après rotobêché, donc avec une rotobêche, donc sans semelle de labour, voilà, hein, juste un outil qui soulève et qui mélange un peu en surface. L'an dernier, on a planté des pommes de terre qui ont très bien fonctionné. Hein. Les plantes étaient hautes comme ça, celles qu'on voit sur le petit film. Là. Et donc cette année, et par contre, on avait beaucoup de sorgho d'Alep, la même chose que là-bas. Et cette année, c'est la deuxième année donc on cultive et on a planté de l'ail. Et là, on peut voir que le sorgho d'Alep, il n'y en a plus. Yes. Donc ça, c'est le sorgho d'Alep. D'accord. Donc on voit, c'est un petit rhizome. Qui, bon là il est fin, donc il a fait une plante fine, mais des fois il y en a qui font un diamètre très très élevé et donc les plantes sont plus grosses. Et ça le problème c'est qu'on le coupe et à chaque coupure on multiplie. Voilà. Comme l'armoise, comme le liseron, comme tout ce qui est en rhizome, le chien-dent et tout ça. Quoi.
Et là, c'est la seule que... Bon, il y en a une là, hein, que j'ai enlevée là, mais il n'y en a plus. Il y en a très peu, très très peu. Alors que l'an dernier, il y en avait partout. C'était vert comme ça, mais c'était que du sorgho. Voilà. 2007, c'était du chimique. Donc c'était désherbé en totalité. Donc quand on désherbe en totalité, bah, après, si, il reste toujours des graines dans le sol. Il y a un stock de graines impossible à définir, quoi. Donc après, c'est les graines qui sont les plus virulentes qui vont tout envahir. Alors que si on cultive régulièrement ou qu'on ne cultive pas, comme la permaculture, comme aussi en BRF, il y a un équilibre qui se crée. Et, voilà. Mais par contre, le désherbage en totalité, c'est pas bon, quoi. On s'en rend bien compte. Bon, il commence à se décomposer déjà. Hein, mais d'ailleurs, on le sent, bon, avec la caméra ça marche pas, mais ça sent vraiment l'humus, quoi. Hein. Fait pas comme un BRF, c'est-à-dire qu'on l'incorpore pas dans le sol ni rien. Pour l'instant, on s'en sert de mulch. Voilà, on fait une couverture, ça évite d'avoir trop de mauvaises herbes, entre guillemets, parce que bon, c'est pas vraiment des mauvaises herbes, mais bon. Et puis c'est bien pratique pour pouvoir marcher dessus, sans tasser le sol, et aussi pour garder l'humidité et donc créer une vie. Vie souterraine. Dès qu'on soulève les copeaux, ça grouille, quoi. Parce qu'il y a tout un développement d'insectes qui sont là pour justement désagréger la lignine et la cellulose, quoi. Les fraisiers. Donc là, les fraisiers, on les a plantés la semaine dernière. Et pour ça... pouvoir passer dessous avec le tracteur. Les plantes, comment par 10 mètres comme ces plantes ici, ou à 20 mètres par 20 mètres, faire des carrés. Et à ce moment-là, on peut orienter nos cultures en nord-sud ou en est-ouest, suivant la culture qu'on va faire. Suivant l'année qu'on va faire. Donc en fait c'est très modulable, c'est pas figé, quoi. On peut vraiment, avec un pourcentage de perte, c'est évident, puisqu'il y a des limaces, elles vont manger des salades, des radis, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait encore, mais si on fait l'analyse vraiment des pertes qu'on a, à mon avis c'est vraiment infime. On aura moins de pertes, le total des pertes nous coûtera moins cher que si on achetait des produits pour que ça ne soit pas des pertes. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais un hectare d'agroforesterie équivaut à 1,7 hectare d'agriculture séparée et d'arbres séparés. Il y a des bouquins qui existent là-dessus, il y a des films qui ont été faits là-dessus. Il faut qu'ils aillent voir ailleurs et qu'ils n'hésitent pas à se renseigner là-dessus, quoi. Il y a vraiment des façons de pouvoir changer le mode de culture et de gagner autant aussi bien sa vie, quoi. Sans s'empoisonner et sans empoisonner les autres. Ben, moi je pense que c'est important de voir différemment, de voir autre chose, de faire plus en harmonie avec la nature, d'être plus réceptif, plus ouvert, savoir que c'est un système en entier et que c'est pas le système actuel conventionnel qui va nous permettre de voir un avenir. C'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai quelques amis qui pensent la même chose, mais c'est difficile de changer parce que c'est facile en conventionnel. Il y a une mauvaise herbe, entre guillemets, et il y a un produit. Donc c'est difficile de mettre les mains dans la terre, de l'enlever à la main ou de travailler pour que ça s'enlève. Mais bon, c'est un pas à prendre, c'est une idéologie aussi en même temps. Donc moi j'ai décidé de le faire, je sais pas si d'autres le feront, mais si moi je sais que dans mon secteur, il y en a un ou deux qui ont ces idéaux-là. Et je pense que si moi je m'y mets, que je le montre que j'y arrive bien, que j'arrive à en vivre correctement, je pense que ça poussera d'autres gens à essayer. Mm-hmm. Faut toujours un premier qui tente, et moi je prends le pari de le faire. Mm-hmm. Parce que quelque part, les agriculteurs nourrissent les consommateurs, mais les consommateurs font que les agriculteurs produisent ce qu'eux mangent. D'accord ? Donc si les agriculteurs tendent de plus en plus vers une alimentation saine, biologique, cultivé comme ça, ou même c'est pour ça qu'on veut faire venir les gens ramasser leurs légumes ici, pour qu'ils voient comment ça pousse et pour qu'ils voient comment on fait pousser des légumes et qu'on peut arriver à faire pousser des légumes sans en bombarder de produits chimiques, quoi. Tout à fait. De toute façon, l'agriculture, il faut qu'elle soit aussi locale. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on revienne aussi à un système, à arrêter cette mondialisation
de toujours vouloir consommer des fruits qui ne se poussent pas chez nous, ou des produits qui ne sont pas de saison. Il faut qu'on revienne à une consommation intelligente. Voilà. Et c'est vrai que bon, la mondialisation, c'est bien pour les actionnaires aussi, toujours pareil, hein, toujours les gros, hein, voilà, ils s'en mettent plein les poches, et puis les autres, bah, ils triment comme des fous, quoi. It's really great to see another really well-established agroforestry site. And this model really resonates with us because it's so applicable in so many conventional agricultural cropping scenarios. And with really low capital, energy and time inputs, you can reap so many obvious beneficial rewards. And it seems that this is the kind of strategy that's going to be easily implemented to cautious and wary farmers who are often skeptical of new techniques. On the theme of controversial farming, we're close by to Jean Pan's company. It's now run by his nephew, Etienne, producing the world's best chippers and controversial wood-based compost that baffles scientists even today. Jean Pan a voulu être personne publique, donc tout est dans le domaine public. On ne doit rien à Jean Pan, à personne, pour faire les méthodes Jean Pan. Donc ce que j'approuve, hein, c'est-à-dire que c'est important, parce que bon, en plus on ne peut pas le faire taire. Le fond du problème, c'est que on va à l'encontre des principes profonds de l'agriculture. Porte aux plantes la nourriture dont a priori elles ont besoin. NPK. Ensuite, on a les agricultures biologiques, qui va continuer de vouloir nourrir la plante, mais en respectant le sol. De bois vivant, qu'on apporte précomposté qu'on apporte au sol, qui va apporter à ce sol une microbiologie particulière, qui va permettre aux plantes de se nourrir par une nourriture que j'appellerais temporelle. Alors temporelle dans le sens où une plante, comme nous, comme un animal, a besoin de nutriments en fonction de son activité. Ça, c'est du compost Jean Pan. Donc ce qui est important pour nous au niveau produit, c'est qu'on doit avoir un produit qui n'est pas trop fin et qui n'est pas grossier non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éclats de bois importants. Parce que le bois, par origine, est toxique pour le sol. On a les acides phénoliques, on a les tanins, les résines, qui sont toxiques pour le sol. L'objectif du compostage est de résoudre ou transformer ces produits toxiques, et non pas de minéraliser la matière. Les huiles essentielles, qui vont être a priori transformées par évaporation, en fait, hein. Les acides phénoliques, les tanins, et on va laisser le produit travailler en tas pendant plusieurs mois jusqu'au moment où il va passer dans la phase de décomposition, de minéralisation. Mais on ne doit pas minéraliser au niveau du tas. Normalement, le plus objectif qui soit, c'est le pH. Pour que la minéralisation puisse s'engager, il faut que le pH soit proche de la neutralité. Quand on a l'habitude de faire du compost, on s'en rend compte à l'odeur, c'est-à-dire qu'au début on a une odeur qui est assez âcre, qui n'est pas agréable, et à un moment donné on passe sur l'odeur de litière animale, litière forestière, hein, donc on sent le champignon ou on sent une odeur beaucoup plus douce, et si on fait les analyses pH, on verra qu'on est proche de la neutralité. Mm-hmm. Et ça aussi c'est une spécificité du système, c'est quel que soit le type de végétaux qu'on prend au départ, on arrive toujours à neutralité. Mmh. Ça, c'était parce que justement, on cherchait avec Jean Pan le fait de résoudre le problème des gros morceaux. Parce qu'on a utilisé d'abord des broyeurs qui existaient donc sur le marché, parce que bon, on ne voulait pas recréer ce qui existe. Hein, où on a changé de technique et où on a abouti enfin à un système où on a une homogénéité telle qu'on en a besoin. Quelle que soit la taille de l'appareil, quelle que soit la taille des végétaux que l'on va mettre dans nos appareils, on obtiendra la même qualité de plaquettes. Ici, on est sur un sol argileux pur, terre à poterie. On est dans une zone de poterie. C'est-à-dire que c'est un sol qui est impropre à toute culture. Bon, aujourd'hui, il a 20-25 ans.
ce jardin n'a reçu que du compost jantin. On a aujourd'hui obtenu une terre qui est équivalente à une terre maraîchère de fond de vallon. Voilà, ça c'était un sol argileux qui était, bon là il est particulièrement humide parce que bon on est, mais c'est un sol, on n'aurait jamais pu faire ça il y a avant. Sans travailler le sol, bon c'est voilà le seul outil qu'on utilise. Hein? C'est-à-dire que ça c'est une machine qui a 20 ans. Et là on voit par exemple où il n'y a pas de compost, bon l'herbe, il n'y a pas de compost, il n'y a pas de culture, l'herbe va se développer spontanément. Que dès qu'on va mettre une plantation en place, la plantation va coloniser le sol et ne va pas permettre à d'autres végétaux de s'installer. Donc le compost par-dessus, enfin le broyat par-dessus. Il n'y aura pas d'envahissement comme dans un jardin classique. C'est le sol de l'année passée. Yeah. Donc là, on a, voilà, là il a été préparé donc avec la machine. Hein, tu vois. Donc on a passé un petit coup de rotatif et là la plantation a été mise en place. Alors si. Hop là, c'est vraiment mou. Hein. Et on a, voilà, tiens par exemple là. Voilà une pomme de terre qui est en train de germer. Et on voit bien les tissus racinaires qui tout de suite s'installent dans le sol. Donc on a un développement racinaire qui est très important, qui va coloniser le sol. Mais qui va permettre dans les zones sèches d'avoir de capter toute l'eau qui est disponible quand il ne pleut pas. Tout est basé sur une microbiologie complexe. Champignons, bactéries, micro-organismes, vers de terre forcément. Donc le champignon a une action, les bactéries ont une action et je pense que l'un ne se passe pas de l'autre. Reproduit la fertilité forestière. Hein, c'est-à-dire ce qu'on voit autour. On dit que c'est un sol qui est impropre à toute culture. Nos commandes. Hein. Mm-hmm. Voilà. Si on fait le calcul de ce que la forêt est capable de produire en valeur énergétique brute, l'agriculture est très faible. Un humus de qualité est un humus qui contient 50% de lignine. C'est Waxman, tous les grands maîtres de l'agronomie le disent. Donc si on veut un humus de qualité, il faut de la lignine. Et donc tout le système d'engrais verts à partir de cellulose ou autre ne produit pas un humus de qualité. Et c'est cet humus de qualité qui permet de soutenir une microbiologie qui permettra de nourrir les plantes dans leur intégralité. Avec la méthode Jampin, on n'a ni à choisir l'essence, ni à choisir la taille. Si on a la possibilité d'avoir un gros broyeur, on peut passer un arbre entier, sans que ça nous dérange sur le plan qualitatif du produit. Bon, si la seule chose qui est importante, c'est qu'on doit travailler sur un végétal vivant, c'est-à-dire qu'on coupe, on broie, on met en tas, et sur l'intégralité du végétal, c'est-à-dire qu'on part du bourgeon ou de la feuille, et on va jusqu'au pied. Et on va devoir réaliser un tas qui va avoir... Bon, pour que ça marche bien, il faudrait 10 à 15 mètres cubes de matière finie, c'est-à-dire, et qu'on va humidifier, c'est-à-dire qu'on va apporter de l'eau, parce qu'on a une matière qui a 40% d'humidité, à peu près, hein, donc quand on est en végétal ligneux. On va faire monter cette humidité à 80% d'humidité. Il va y avoir donc des réactions microbiologiques, bactéries, champignons, bactéries pour la chaleur, champignons pour le reste. Et on va avoir une élévation de température et on va avoir une évaporation de l'eau. C'est-à-dire qu'on perd à peu près 50% de l'eau qui est contenue dans le tas. On obtient une matière au final qui a entre 50 et 60% d'humidité. Et pour bien démontrer qu'on n'a pas de minéralisation et qu'on n'a pas de perte de matière sèche, avec une tonne de branchage, on fait une tonne 200 de compost fini. Whilst we regularly heat water with these piles, we've never found anyone producing reliable methane. I ask Etienne if what considerations would be important for this. Sur le plan énergétique, il y a deux choses. La première chose,
c'est que la matière en fermentation produit de la chaleur que l'on peut exploiter sans nuire à la production. Après, on a travaillé sur la production de méthane parce que l'idée était de pouvoir dire on va broyer de la matière, on va produire de l'énergie et cette énergie va faire tourner le broyeur. La seule chose importante, c'est qu'on doit avoir une matière qui a pré-fermenté avant. C'est-à-dire que quand la matière est bonne à mettre sur le sol, elle est bonne à mettre dans un digesteur. Et c'est pour ça que, même encore aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas possible. Alors, Jeanpin a été plus médiatisé parce qu'on avait produit de l'eau chaude et qu'après on a produit du méthane, que parce qu'il a fait son compost Jeanpin. Jeanpin a eu l'occasion de rencontrer en Californie John Fry, que l'on a traité gentiment de méthanomaniaque. Et John Fry a montré à Jeanpin qu'avec une bouteille de champagne, avec une jarre en verre, avec une jerrycan, on pouvait faire un digesteur. Et donc Jeanpin, en rentrant de Californie, on s'est tout de suite mis au travail, et avec une jarre en verre, une chambre à air, on a fait notre premier digesteur. Mais tout le monde peut réaliser facilement, avec une jerrycan, un peu de produit précomposté, on met dans la jerrycan, du moment qu'elle est à 30 degrés, 30, 40 degrés, la méthanisation se produit et ça marche très bien. C'était une cuve de 1000 litres. C'était en fait une cuve qui est destinée à faire les fosses septiques, oui. Donc une cuve en plastique, avec juste une ouverture au-dessus, et qui faisait 1000 litres. Comme tout méthanisation, c'est trois quarts remplissage aux trois quarts, donc trois quarts de matière, et noyé dans l'eau. L'eau vient recouvrir pour chasser toute l'air qui est à l'intérieur de la matière. Ça si je mets ça, tel que c'est là, dans un digesteur, no production. Si on produit un peu d'hydrogène, si on prend le produit qui est là-bas, on aura une production. Voilà, le tas qui va être autour du digesteur va servir pour les digesteurs futurs. Non, c'était pas suffisant. La voiture était expérimentale, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où on veut avoir un véhicule, donc pour pouvoir se déplacer, il y a nécessité de compression et de stockage dans les bouteilles haute pression, donc on doit stocker à 200 bars, et les expériences qu'on a faites étaient faites dans des conditions non sécuritaires, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le compresseur adapté, et on a pris certains risques qu'on ne connaissait pas d'ailleurs à l'époque, et on a arrêté le jour où on l'a su. Pour passer de la production de méthane, pour pouvoir après l'utiliser sur le plan routier, enfin déplacement matériel, ça devient assez compliqué et je suis plus partisan pour une organisation plus longue. Méthane, dans le but de produire de la chaleur, donc de chauffer, faire tourner un groupe électrogène pour injecter sur le réseau, oui, parce que là on n'a pas besoin, on stocke en volume libre. La production de méthane qui sort du digesteur est une production 40% méthane, 60% méthane, 40% CO2. Donc, quand on veut l'utiliser en chauffage, on peut l'utiliser brut. Les appareils donc, de chauffage qui travaillent au gaz de ville sont aptes à utiliser le gaz en production de méthane. On a besoin de 15 millibars de pression. Donc, 15 millibars, on les obtient par le réservoir électrogène, donc moteur thermique, il y a nécessité de laver le gaz. Hein. Donc laver, c'est quand on ouvre un digesteur ou un stockage avec les problèmes d'électricité statique. C'est-à-dire qu'on peut créer une petite étincelle et boum. On contrôle très bien par une installation électrique correcte. Il faut savoir que la compression du méthane pour le mettre en bouteille haute pression, donc on travaille à 200 bars, consomme 15% de l'énergie que l'on stocke. Le méthane, dans le but de produire de la chaleur, donc de chauffer, faire tourner un groupe électrogène pour injecter sur le réseau, oui, parce que là on n'a pas besoin, on stocke en volume libre.
Pour passer sur du matériel mobile, c'est plus compliqué. Moi, je serais plus partisan d'utiliser le compost pour cultiver des végétaux. Moi, de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'il faut, que cette agriculture devienne plus raisonnable, dans le sens où la recherche de la production ne doit pas être l'objectif principal. L'agriculture doit nourrir les gens et ne doit pas les empoisonner. I'm really intrigued by Jean-Pan and Etienne's work. The quality of their chippers is definitely unparalleled, and the quality of the compost that it produces is definitely good, even if it baffles modern agronomists. One thing is for sure, we know so little about soil, and yet we rely so fundamentally on it to produce the plants and feedstocks that we all rely upon. And on a fitting note, we're ending this part of the series by going to visit Cocopelli, who are famous seed savers, also in the area in the south of France, dedicated to sharing heirloom varieties of seeds before we lose them all to thwarting EU regulation. Donc là, c'est le stock de semences qui est réalisé par des producteurs professionnels. Nous qui décidons ce qu'ils ont à mettre en production, et on a un réseau environ entre 15 et 20 producteurs professionnels qui, eux, nous fournissent la semence qu'on leur demande. Et nous, on la répartit, ouais, pour la protéger dans un local à température constante. Et les durées germinatives peuvent être prolongées parce que, justement, il n'y a pas de variation de température. Et là, environ 1500 à 1700 variétés. Parce que l'objectif, justement, de l'association, c'est de conserver les variétés anciennes et surtout de ne pas travailler avec les hybrides. On a un deuxième stock qui en fait, est un stock plutôt associatif. On a engagé la participation de particuliers pour reprendre en charge le domaine de la semence et reproduire chez eux des semences que nous, on n'arrivait plus à reproduire. Pour éviter qu'elles se perdent, on a créé un réseau plutôt bourse de semences. Mais ces semences ne sont pas vendues. Elles rentrent dans un système bourse d'échange. Et tout l'ensachage de l'association Cocopelli est fait manuellement. On n'a aucune machine pour faire l'ensachage. On a préféré privilégier, si vous voulez, le travail de l'humain plutôt que d'acheter une grosse machine qui pourrait permettre de faire ça de manière mécanique. On pourrait mettre des semences dans les banques, mais quel est l'intérêt au fil du compte si on ne la fait pas vivre Surtout qu'il y a plein de lieux sur la planète qui manquent véritablement de semences. Donc pour nous, les banques de semences fermées, c'est un non-sens. Quand on distribue de la semence dans n'importe quel pays que ce soit, les personnes peuvent reproduire eux-mêmes leurs propres semences. Ça, c'est fondamental. Donc c'est quand même un apport d'une autonomie quand même importante. On a toutes les techniques de reproduction de semences qui sont indiquées sur cet ouvrage. Mm-hmm. Donc les gens, à partir de cet ouvrage, c'est un répertoire de variétés. Et à partir de cet ouvrage, ils peuvent eux-mêmes reproduire leurs semences. On part du principe que la semence, elle est faite pour se déplacer et pour vivre. La semence, c'est un bien commun, en fait. Donc c'est quelque chose qui appartient vraiment à tout le monde. C'est que l'objectif, c'est pas uniquement de vendre de la semence. C'est qu'un jour, on devienne inutile et que tous les gens sur la planète continuent à reproduire leur semence. Voilà, c'est ça. Thank you.